Vous amateur de football Vous êtes avec la gang de Le Blitz NFL, le groupe de passionnés québécois qui commente les dernières nouvelles de l'univers du football américain. Venez nous voir sur leblitznfl.com. Let me tell you a little secret. Detroit is a football town, but don't just take it from me. Thanks, Barry. Detroit picked me. Detroit picked me. Detroit picked me. This city embodies everything I bring to my job: energy, passion, and grit. Detroit picked me. Detroit picked me. I picked Detroit. I picked Detroit. Detroit picked me. detroit having the nfl draft in detroit is going to be great because they're going to get to see a fan base that's going to embrace the nfl draft like no one ever has i picked detroit no wait a minute detroit picked me the pick is in the pick is in the pick is in no, Leave me now. The pick is Detroit. Mesdames, et Mesdames et messieurs, voici votre animateur Tony le Blitz. Hey, bon lundi toute la gang, comment ça va Et non, c'est pas un poisson d'avril, je suis là. <laughs> euh, J'étais pas sûr, hein. C'est une journée de congé. Est-ce que le monde va être là Mais tu sais, l'année elle fait le dort jamais. Puis à chaque fois que je prends congé, je me fais avoir avec plein de nouvelles, tout ça. Mais merci d'être là, toute la gang. Bon lundi en hein, ce 1er avril 2024. Oui, mois d'avril déjà, les amis. Waouh, waouh, waouh. Merci d'être là. Mois d'avril pour la NFL, c'est le mois du repêchage. Et là, on se prépare pour ça, pas à peu près. Vous allez voir, là, éventuellement dans les prochaines semaines. On va parler de ça. Ici Tony Leblitz. Merci d'être là en direct du Studio Montréal. À ce poisson d'avril, j'espère que vous avez passé un excellent long week-end pour plusieurs d'entre vous. Malheureusement, il y en a qui ont, euh, il y en a qui ont travaillé, mais, euh, mais euh, la plupart d'entre vous, vous avez eu congé. Bon, joyeuse part pour tout le monde. Euh, J'ai eu la chance de, de passer euh, du beau temps avec la famille. Euh, même, euh, même sur Twitch, tu t'allais voir des DJ. j'ai vu quelques-uns d'entre vous dans le chat en ce moment, donc Duke Wellington, comment ça va, mon ami Ronald, mon voisin, merci pour avoir renouvelé l'abonnement pour euh, déjà un deuxième mois qu'on qu cumule, fait que merci, merci, et salutations à la Duchesse aussi. Donc, toute la gang est là, mon modérateur sexy Jimmy est là, Burger Time, comment ça va mon ami Sam, merci d'être là, euh, Fortinoza, fan des Falcons, merci d'être là, Wolverines qui était le premier à arriver, Congo Smash qui euh, dernièrement, on le voit souvent avec nous, merci d'être là, grand fan des Eagles, donc ce soir, bien relax, je vous le dis tout de suite les amis, euh, ça va être relax, ça va être avec vous, puis euh, en tout cas, Sexy Jimmy va mettre encore un, un, un point d'exclamation, fumble, à moins que ça s'est replacé, mais mon fameux mon, mon fameux site avec les sondages, je voulais vous faire participer. Mais euh, ça a l'air que, que non. Ben, avec le sondage, là, on va trouver une autre façon. Là. Hein? Tony Lablitz est vite, là. Il faut, faut s'ajuster là-dedans. Fait que oui, cette semaine, ben, la dernière semaine, les, euh, les, euh, les sportsbooks, les maisons, les maisons de, de gageurs, là, de, de gambling, là, euh, de, je dis toujours les, la mais, les, les maisons de Paris, mais là tout le monde pense Paris France. <laughs> euh, non, c'est c'est pas ça que <laughs> c'est pas ça que je voulais dire. Mais les maisons de gambling, les sportsbooks, comme vous savez, c'est très 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 populaire. Ben la semaine passée, ils ont sorti les projections de chacune des équipes, les projections de victoire. Enfin, qu'on va regarder ça, combien ils projettent, puis là on va. On va regarder ça va être comme les premières prédictions parce qu'on a eu les nouveaux coachs euh, donc tous les coachs y ont été embauchés, il y a eu le marché des joueurs autonomes la plupart la plupart c'est euh, le marché la, la plupart des agents libres les plus importants ont été signés. Fait que là on peut faire une première prédiction avec vous. Fait c'est pour ça que ça va être un peu relax comme ça et vous allez voir en bas euh, grosse nouvelle de dernière heure. Euh, la semaine prochaine, lundi soir prochain je vais avoir comme invité pour la première fois Vince Cochon yeah baby <laughs> là tout le monde est dit qui c'est ça ben c'est parce que j ai, j ai, est, il, il est très connu, pour les gens de Québec les gens qui sont dans le chat puis dans la région de Québec, Vince Cochon fait les, euh, fait les émissions du matin euh, à Énergie 98.3 puis aussi à l'Antichambre avec RDS de temps en temps mais c'est Monsieur Sport passionné, Monsieur Football au Québec, très connu. Euh, il a passé du temps pendant qu'on, ben, je veux dire euh, pendant. On a fait pendant huit ans de temps sur le blitznfl.com un repêchage simulé, un mock draft des fans. Puis Vince était tout le temps là. Fait que là, pour la première fois, on va se voir en personne, ben, je veux dire visuel. Puis euh, il a accepté mon invitation. Fait que ça va être très important. Il, il, ça va être très intéressant. Ça va être la fun de l'écouter. Un autre style. Il vient de la radio de Québec, hein? Come on, man! Ouais, donc, un autre style. Donc, on va voir. Euh, mais il est très le fun, cet Vince-là. Je suis très content qu'il ait accepté mon invitation. Puis, euh, puis, ça va être lundi soir prochain à 19h. C'est un fan des Raiders de, de, de Las Vegas en ce moment. Fait que... Euh, il a toujours été un fan des Raiders. Fait que Puis, on va parler un peu de lui, qu'est-ce qu'il s'attend. Fait que... Puis l'abri qui complète, c'est le meilleur gars de sport de la business. Il est, il est très bon. Il connaît son football, un coach qui a été très impliqué euh, au football collégial, euh, semi-pro, je me souviens bien. En tout cas, c'est un coach de football. Il connaît sa game, mais c'est un passionné de sport. Fait que, fait qu'on va voir là-dessus. Donc, vous voyez, vous connaissez le concept. Je, je vous reviens à la gang. Euh, Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit 98.3, c'est 98.9, excusez-moi. Excusez-moi. <laughs> fait que, euh, on connaît notre game. C'est la game des, 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 des calls. Là. Bruce Buffer le callé. Fait qu'on va faire un 60 minutes. Comme je vous ai dit, très relax avec votre participation. On va faire le tour. On va voir si, normalement, les gens de Las Vegas, les maisons de gambling, les sportsbooks, ils connaissent leur affaire. Fait que je dois vous dire, leur projection, ça a bien de l'allure. On va voir si, si ça va être plus ou moins. Le nombre de victoires de chacune de ces équipes-là. Fait qu'on va regarder ça. On va passer euh, euh, toute la soirée avec ça. Ça, je peux qu'on finisse avant. Euh, les dernières semaines, j'ai été pas mal rough. La semaine passée, si vous n'avez pas eu la chance de, de, de voir l'émission, j'avais Stéphane Cadorette du Journal de Québec, Journal de Montréal. Donc, excellente émission avec Stéphane aussi. En tout cas, je suis entouré des gens de Québec. Ça va bien. Vous êtes toute la gang. Non seulement je suis entouré des gens de Québec, mais les fans des Cowboys en plus. Là, fait que. En tout cas, je suis. Euh, on, 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 on est avec de dire fuck Montréal. <laughs> c'est ça. Que... <laughs> on s'en va au premier corps, les amis. Donc, on salue. On salue. Mes modos sont là. Quarterback, la beat Tempo, comme d'habitude. Fait qu'un gros bonjour, les amis. Vous le savez, c'est ma ligne offensive. C'est eux qui me protègent du début jusqu'à la fin. C'est une équipe qui est très importante pour moi, Sexy Jimmy, Labri et quarterback. Donc, on salue nos amis les modos. Donc, euh, on salue DJ MV, fan des Seahawks. Comment ça va, mon ami DJ MV? Burger Time qui est là. Euh, Putin Gracer, salutations euh, de, 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 de Montmani. À Montmagny, on connaît notre football. Oh, ouais, ben sauf toi, là. <laughs> tu connais pas ton football. Un fan des Cowboys, là. Tabarnouche. Bref, on verra bien. <laughs> Qu'est-ce que ça va aller avec, avec vous autres? <laughs> hein? Euh, on se salue également. J'ai vu, euh, j'ai tu vu, j'ai vu un shout out de DJ Pete en plus. Il est-tu là? 15-2-15-4? C'est ça? <laughs> ou, je, je, ou je me trompe? Ben oui. Hey, comment ça va? 15-2-15-4? Bon, lundi soir, mon DJ Pete. Hey, l'homme qui travaille tellement fort, DJ Pete. Ça n'a pas d'allô. Ça n'a pas d'allô. Toute une vie. Mais. Il est très, 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 très en demande, notre DJ Pete. Puis merci d'être là. Puis en passant, hein. je pense qu'il fait un live tantôt. Fait que euh, après notre live, on va aller le voir. On va faire un beau petit raid. Euh, donc, euh, je mets de la pression. faut qu'il prépare déjà son, le petit ballon, le blitz NFL avant qu'il l'oublie. Ou le chole le prix, là. T'sais. Yeah, baby! Yeah. Merci d'être là, DJ Pete. Merci toute la gang. Donc, euh, vous êtes incroyables. Euh, j'ai vu aussi, c'est qui j'ai vu? C'est euh, Sexy Jimmy qui vient de se réabonner. Donc, euh, merci de, du réabonnement. En tout cas, on a des nouveaux, on a des, nouveaux, euh, des nouvelles présentations, des nouveaux comme Charab, puis on a un nouvel emote. À la demande générale, en tout cas, je me suis fait quand même, j'avais beaucoup de demandes en privé, il dit, il faudrait qu'on fasse des emotes Team L'abri. OK? Donc, ça c'est... Je vous dirais, c'est notre héros obscur, notre ami Labri Tempo. Mais là, il est rendu avec son propre emote. Regardez ça à l'écran. Aux couleurs des, des Packers en plus. Puis vous avez des points de chaîne aussi, Team Labri. Euh, il y a des nouvelles présentations. Tabam, là, Je vous attends à feu. Check bien l'écran. Si je me vois, je me vois même plus. <laughs> en tout cas, quand c'est rendu, le modérateur est plus populaire que l'animateur. On, on est rendu loin. Hein? Yeah, baby! Yeah. Et vous voyez, voyez DJMV, checkez ça, Team l'abri avec le casque en point de chaîne. Donc, vous avez les points de chaîne en plus. Je pouvais pas faire plus que 20 photos. Là, vous là, là, voyez là, les, les, les cowboys, la petite graisseuse. Il faut qu'ils mettent l'étoile. Ils sont tellement pas populaires. Il faut, faut, faut démontrer c'est qui les cowboys. Là. Mais en tout cas, j'ai le doigt jusqu'à 20, 20 images dans l'application la, que j'ai utilisée. Fait qu Il y a des équipes qui sont pas là. J'ai pris les plus importantes. Oui, j'ai mis quand même les, les cowboys aussi. Mais, euh, puis il y a aussi Tony LeBlitz ici qui est en en, en arrière devant le, euh, le stade des, euh, des, euh, des Dolphins. Il y a aussi des, oh, y a aussi des, des, des cheerleaders. Tabernouche, ouais. c est, c est, c est, vous êtes en feu. Fr... Merci toute la gang. Il faut, faut dépenser les points de chaîne de temps en temps. On les accumule pour rien. On ne sait pas quoi faire avec. C'est sûr que je ferai pas comme certains DJ là, qui demandent 5000 points pour euh, prendre un shooter parce que sinon il n'y aura pas d'émission. Un DJ, c'est facile d'être sous, là. Hein? Hein? Je <laughs> suis baveux à soi. C'est facile d'être sous comme un DJ. On a rien qu'à mettre une toune puis faire un loop, un répète, Puis après ça, on peut être sous, là, hein? En tout cas, bref, un animateur comme moi, je ne peux pas être sous, C'est difficile. <laughs> Euh, fait son baveur là. Ouais, ouais, je fais. Ouais, ouais, je suis Je C'est époque. C'est Donc, euh, j'ai annoncé euh, Vince Co Cochon qui va être là lundi prochain. Euh, réservez votre date. Vous l'avez vu dans le chat aussi. Euh, L'heure reste à confirmer, mais le jeudi 25 avril, qui est le, le premier soir du repêchage, normalement on fait un show. Ça fait une coupe d'année, on fait un 5 à 7. Mais là, je ne sais pas si mes amis du Triple Option sont en discussion. Je ne sais pas s'ils font un live pendant le repêchage. Mais je leur ai dit, je, je me sens, sens d'attaque. Si jamais Triple Option ne fait pas une émission live pendant le repêchage, la première ronde, je risque de le faire. Donc, ça va être une soirée, là, genre de, de 6h jusqu'à 11h le soir. On va regarder tous les choix. Mais on va attendre de Triple Option. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Parce que d'habitude, c'est leur show en direct. Sinon, s'ils font leur show live, ben on va faire un, un genre de 5 à 7, un genre de preview, un avant-match du repêchage le 25 avril. Le 22 avril, le lundi d'avant, notre ami Wallet va venir. Donc, il va, euh, va venir à notre émission. Puis, il va nous parler aussi des, des espoirs à, à, à surveiller. Euh, Ce n'est pas évident. Ça parle beaucoup. Donc, euh, beaucoup de corps arrière risquent d'être péchés. Ça ne veut pas dire qu'ils méritent d'être repêchés si haut que ça, mais euh, vu que la classe des corps arrière l'année prochaine risque d'être pas bonne, ben, excusez-moi, faible, plus faible. Je ne veux pas dire poche, mais, mais plus faible. Euh, ils risquent d'aller chercher peut-être les équipes qui ont vraiment besoin d'un corps arrière vont peut-être aller les chercher euh, cette année. Pour donner la chance de les de, de, de coacher, des de, de, de développer pour qu'ils soient prêts dans les prochaines, euh, dans les prochaines années. Euh, <laughs> Virginie, comment ça va, ma belle Virginie, qui est rendue nouvellement fan des 49ers? Elle là, elle s'est dit. Euh, on oublie les Jaguars, je suis plus capable. Euh, j'aime beaucoup. C'est un beau bonhomme, Christian McCaffrey. Fait que j'aime beaucoup. <laughs> j'aime beaucoup euh, les 49ers. Yeah, baby! <laughs> Donc c'est cela. <laughs> uh... Alright. Donc on s'est dit on va aller voir euh, on va aller voir qu'est-ce que les euh, les sportsbooks, les maisons de gambling de Vegas entre autres Bet MGM euh, puis aussi qui qui avait sorti le Caesar Sportsbook aussi mais euh, ce soir c'est c'est la gang de BetMGM MGM qu'on va présenter. On va aller voir qu'est-ce que les Maisons Paris disent, qu'est-ce qui projette le nombre de victoires de votre équipe préférée pour la prochaine saison. On y va à l'instant. Yes, sir. Yann09, comment ça va? Fan des, euh, fan des Broncos. Merci d'être là. Qui vient de se réabonner pour un 18e mois. Merci d'être là, mon Yann. Bon lundi soir. Euh, et, et voilà. Donc, toujours bien. Fortinosa, c'est comme les fans des Cowboys. Il y en a qui prennent pour eux parce que vraiment, ils aiment leur cheerleader. Ouais, ouais, c'est vrai. <laughs> T'as raison, Fortinoza. Très bien dit. <laughs> Moi aussi, euh, quand j'avais quand le goût de lâcher, de, de laisser les, 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 les Dolphins, c'était un de mes critères. C'est la gang des cheerleaders. <laughs> Putain graisseuse, as-tu ramassé ton eau de Pâques? <laughs> oui, ouais, j'ai été très, très, très catholique hier. Donc, il est trop tôt pour les prédictions. On fait ça de temps en temps. Comme je l'ai mentionné, après, juste avant le repêchage, on va en faire un peu. On va en parler. C'est pas vraiment mes prédictions officielles, mais comme je vous ai dit, c'est les projections de victoire. Après le repêchage, donc, euh, euh, vers le mois de mai, avant qu'on se quitte pour les vacances d'été, euh, je, je risque de faire une d'autres prédic prédictions. Puis en revenant au mois d'août, juste avant euh, le début de saison en septembre, ben, on va en faire des prédictions aussi. Ça risque de changer, oui ou non. Ça dépend. En tout cas, on verra bien. Hey, le King. Comment ça va? Le King, la Wellington. On salue la royauté. Le King, le Duc sont là. Les hommes. Les hommes sont là. On salue la royauté. Merci d'être là. Joyeux sport. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Donc, euh, en famille, avec vos proches. En tout cas, bravo. Euh, toute la gang là, qui ont fait des raids de, de, de DJ euh, sur Twitch, ça a été très intéressant. Donc, on va faire un petit rappel pour les gens qui ne savent pas encore. Comme vous le savez, le calendrier va sortir euh, le calendrier va sortir au mois de mai, vers la mi-mai. Mais on connaît déjà les adversaires. Okay? Donc, si, si vous allez, euh, si vous allez euh, dans nfl.com ou n'importe où sur Google, euh, J'irai pas vous présenter tous les adversaires de chacune des équipes, là, mais euh, vous connaissez déjà les adversaires, vous savez déjà contre qui vous allez jouer à la maison, puis contre qui vous allez jouer à l'extérieur. La seule affaire qui reste à faire au mois de mai, c'est, on va vous dire, c'est quand. Donc, euh, les gens qui ont hâte de faire des voyages de football, faut attendre à la mi-mai pour avoir le calendrier exact. Donc, on est rendu là, fait qu'on sait très bien, fait que comment ça marche. C'est que c'est pour ça qu'on se prend d'avance. On sait déjà euh, les, les, les adversaires de chacune des équipes. C'est parce que dans la NFL, ben, chacune des équipes va affronter, va jouer six matchs à l'intérieur de votre division. Donc un match à domicile, puis un match à l'extérieur. Hey, comment ça va? Comment ça va, mon Mr. Freeze, mon correspondant de Las Vegas? En forme, mon François. Merci d'être là. Bon lundi soir, les amis. Bon lundi soir, mon. Bon, Freeze, merci d'être là. Donc, six matchs à l'intérieur de la division. Donc, deux matchs chaque, chaque équipe. Après ça, euh, vous avez quatre matchs que vous allez jouer contre une autre division dans la même conférence. C'est une rotation annuelle, un cycle de trois ans. Après ça, euh, les amis, je vais vous présenter le, le tableau. Là. Vous allez savoir votre équipe contre qui vous jouez. Là. Je voulais juste vous expliquer qu'il y a déjà six matchs là. Quatre matchs. Dans, contre une autre division de la même conférence, un autre quatre matchs contre une autre division, mais dans la conférence adverse. Donc, ça aussi, de, à chaque trois ans, ça leur vient, les amis. Okay? Après ça, il va y avoir deux autres matchs contre des équipes qui ont terminé dans le même, la même position dans, euh, dans les divisions de votre conférence. Donc, deux autres matchs, deux autres équipes. Donc, si tu as fini troisième dans ta division, ben, tu vas aller jouer contre deux autres équipes dans la même conférence de deux autres divisions qui ont fini troisième pendant la saison. Et comme vous le savez, depuis quelques années, depuis très peu, on a un 17e match. Et, cette, et ce 17e match-là est un match interconférence, donc basé sur le classement et sur une rotation. Donc, vous allez jouer contre euh, euh, une équipe qui a terminé au même rang que vous dans la division, mais dans la conférence ex, euh, adverse. Ça donne quoi? Okay. Ça donne quoi? Désolé pour les gens qui sont sur leur cellulaire, c'est petit, mais euh, je vais vous l'expliquer petit à petit. Donc, l'AFCS. Donc, la FCS, c'est qui encore? Parce que il faut que je vous répète parce que quand je fais le quiz en septembre, en tout cas, il y en a qui sont, en, en arrachent. Hein, à mon quarterback? Ah! Donc, on fait des rappels. Fait que <laughs> dans la FCS, c'est les Dolphins, les Bills, les Jets et les Patriots. Donc, l'AFCS, donc mes Dolphins, cette année, ils vont jouer contre l'AFC Sud. Donc, ils vont jouer un match contre les Texans, contre les Colts, contre les Jaguars, contre les Titans. Et la division dans la NFC, c'est l'Ouest cette année. Donc, on va affronter les Cards, les Rams. Les, euh, les 49ers et les Seahawks. <laughs> Je regarde l'écran. j'avais dû me sortir l'autre. Je regarde l'écran puis vous me cachez mes affaires. <laughs> Mais c'est ça. Et le 17e match, c'est contre une équipe de la NFC Nord. Donc on a fini, on a fini deuxième. Euh, nous, les Dolphins, c'est ça. Donc on va affronter les deuxièmes de la NFC Nord. Et ce sont les Packers. Donc, mes Dolphins vont affronter les Packers. Je vais être honnête, je me souviens pas si c'était à, si à Green Bay, mais si c'était à Miami, hey, ça s... en tout cas, c'est dommage que c'est dommage qu'on que, qu n'ait pas big, hein, parce qu'on hein, aurait été les modos, hein, les fans des Packers, on aurait été voir les Dolphins contre les Packers, mais je ne sais pas c'est où. j'ai n'ai pas cette mémoire-là encore. <laughs> Donc, ça, c'est l'AFCS. L'AFC Nord, l'AFC Nord, c'est qui? Ben, c'est les Steelers, les Bengals, les Ravens, les Browns. Ben, ils vont affronter l'AFC West. Donc, euh, ça va être quand même intéressant. On sait très bien que l'AFC Nord, les Steelers, les Ravens, les Browns sont sortis euh, dans les séries. T'sais, ils ont participé aux séries éliminatoires. Donc, euh, des bonnes équipes, c'est une bonne division. Puis là, cette année, ils doivent affronter les équipes de l'AFC West, dont les Chiefs, les Raiders, les Broncos et les Chargers. L'AFC Nord va affronter la NFC Est, donc les Cowboys, les Giants, les Commanders et les Eagles. Et le 17e match de l'AFC Nord, ben, c'est la NFC Sud. Euh... T'es pas seul? Quarterback, j'ai la même maladie. J'essaie d'avoir ce qui a été dit. Vous êtes tellement actifs, je, je vous adore. Je me répète, là, je suis têteux, mais ça va super bien. Donc, on vient de finir le premier camp, on s'en va, va au deuxième camp, les amis. Yann 09, on peut tu parler euh, du hip tackle. Malheureusement, Yann, on en a parlé la semaine passée. Donc, euh, ce soir, c'est vraiment, on va parler des projections. On va peut-être en parler plus tard. Peut-être la semaine prochaine avec Vince. Euh, ça se peut que j'en parle avec Vince Cochon la semaine prochaine, vu que c'est un coach de football, puis tout ça. Mais il faut faire attention, les amis, rapidement sur ce le hip drop euh, tackle. Là. Pour le moment, ils veulent le banner, mais ça veut pas... Il parle de... Il parle de punition, euh, il parle de pénalité de 15 verges, mais ça se peut que ça soit plus des amendes parce qu'on ne sait pas vraiment, là, ça, ça réagit pas mal comment on va évaluer ça. Donc, euh, je suis désolé, Yann, mais on va en parler un peu plus tard. Ce soir, on va se concentrer vraiment sur le euh, calendrier. Donc, on disait l'AFC Nord, c'est ça. L'AFC Sud, donc les fans des. Euh, des Texans, les Jaguars, les Titans et les Colts, ben ils vont affronter, comme j'ai mentionné, ils vont affronter l'AFC-Est, donc, ils vont affronter les Dolphins, les Bills, les Jets, les Patriots. L'AFC-Sud va affronter la NFC-Nord, donc, contre les Vikings, les Packers, les Bears et les Lions. Et le 17e match, c'est la NFC-Est. Donc, le tableau, comme j'ai mentionné tantôt, le tableau que vous voyez là, vous avez les, les 6, 10, 14, 15 matchs. Les deux autres matchs, c'est deux autres équipes de d'autres divisions de la même conférence qui ont terminé à la même position. Donc, euh, inquiétez-vous pas, il n'y a pas un test après. Là. Mais, euh, <laughs> comme je vous ai dit, le calendrier officiel avec les dates va sortir à la mi-mai. Mais, comme je vous ai dit, on connaît déjà les adversaires. L'AFC West, qui, euh, qui inclut les Chiefs, donc les champions du Super Bowl qui visent un troisième championnat consécutif. Donc, euh, ça va être une grosse saison en termes de sédule parce qu'ils vont affronter les Bengals, les Steelers, les Browns et les Ravens. Ils vont, vont peut-être avoir un petit break en affrontant la NFC Sud, donc les Falcons, les Saints, les Bucks et les Panthers et le 17e match est euh, une des équipes comme euh, de la NFC West. Donc, si on prend l'exemple des Chiefs qui ont fini premier de leur division, ben, ils vont affronter les 49ers en plus de deux autres équipes qui ont fini euh, premier. Euh, donc, ça risque d'être, euh, ça va être les Bills parce que vu qu'ils jouent contre les, 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 ça va être les Bills et euh, les Texans. Donc, c'est tout, c'est tout un calendrier, toute une cédule pour euh, nos Chiefs. Donc, euh, on va, on va sortir aussi le, le Comment qu'ils appelle ça le strength of schedule, donc le, la, la force du calendrier. Donc on va savoir c'est qui qui va avoir le calendrier euh, pas le plus facile, mais peut-être le plus favorable selon les euh, selon les euh, les euh, comment qu'on dit ça selon l'affiche de l'année passée. Euh, notre ami Poutine graisseuse qui est là. Euh, hey comment ça va Pascal Meta? Y a pas un test qui dit attends l'automne, ouais, c'est ça. On va. Ouais, c'est ça. Cet automne Préparez-vous au quiz. Là. <laughs> ça va. Quand... S'il vous plaît, là. Tu faut... sais, le, le professeur, il est là. S'il vous plaît, ayez 100% dans les questions de division. OK? <laughs> Sinon, le prof il n'est pas trop hot. <laughs> Donc, notre ami Poutine, euh, qui est un fan des euh, Cowboys, la NFCS. Ben, vous allez affronter l'AFC euh, Nord. Donc, ça va être quand même, ça va être quand même une cédule quand même euh, difficile. Donc, vous allez affronter les Steelers, les Browns, les Bengals, les Ravens. Donc, il y en a là-dedans que vous allez affronter à domicile, d'autres à l'extérieur, chez eux, dans le, noir, dans le Nord, dans le Froid. Et euh, vous allez affronter la NFC Sud. Donc, vous allez affronter Kirk Cousins dans l'uniforme des Falcons, les Saints, les Bucks et les Panthers. Et le 17e match, c'est l'AFC Sud, comme j'ai mentionné tantôt. Donc, les Cowboys avaient fini euh, premier de votre division. Donc, l'AFC Sud, le, le fameux 17e match, ben, ça va être contre les Texans de Houston. Donc, ça va être un calendrier quand même intéressant. Pour la NFCS. La NFC Nord, pour nos amis, nos Packers, mettez les emotes de Team Labrie aux couleurs des Packers. Il <laughs> hein, est beau, y est beau emote là hein? Hein? Yeah, baby! <laughs> Donc, la NFC Nord, que tout le monde est excité parce qu'on risque d'avoir Caleb Williams avec les Bears. Euh, les Packers avec Jordan Love euh, qui ont fini en, en, en force. On a hâte d'avoir les Vikings malgré sans, je vais tout dire, sans Kirk Cousins. Mais avec Aaron Jones, tout ça, est-ce qu'ils vont aller repêcher un jeune corps vedette, euh, espoir, cette, euh, ce mois d'avril-là? Euh, donc, la NFC Nord va affronter l'AFC Sud. Donc, ils vont affronter les Texans, les Colts, les Jaguars, les Titans. Ils vont affronter la NFC West. Ça aussi, c'est euh, une grosse division, ça. Donc, quand même, un calendrier intéressant. Euh, pas si facile que ça. Ils vont affronter les Cards, les Rams, les Niners, les Seahawks. Et la FC Est, euh, votre 17e match. Donc, comme j'ai mentionné tantôt, euh, les fans des Packers, ben, vous allez affronter les Dolphins. Pendant la saison. Dans la NFC Sud, donc euh, l'arrivée, une, une division qui risque de se battre entre euh, les Falcons avec Kirk Cousins et les Bucks. Baker Mayfield. Il ne faut pas jamais négliger les Saints non plus. Euh, donc euh, la NFC Sud, ben, ils vont affronter la FC West, donc les Raiders, les euh, Chiefs, les Broncos et les Chargers. Et euh, la NFC Sud va affronter la NFC Est. les Commanders, les Eagles, les Cowboys, les Giants et la FC Nord pour le 17e match. Et la fameuse NFC West qui va affronter la FC Est et la NFC Nord et la FC West et le, le 17e match. Comme j'ai mentionné tantôt, on prend un exemple, les Niners qui ont fini première division, ben ils vont affronter les Chiefs pendant la saison. Donc, beaucoup de revanche là là-dessus. Euh, donc, ça, c'est le calendrier qui a été fait. All right? Ça va être proche du 0%. Tu encourageant, Pascal? Mais non, nos, nos amis ils connaissent leur division. Ils connaissent leur division. Donc, on, les projections de victoire ont sorti. Ça va être quand même surprenant. J'ai hâte de voir votre réaction euh, face à cette euh, dévoilement-là. On va aller voir si le mon chose de mon chose de sondage il est surplacé, Non, pas pas en tout. Donc, on va voter dans le chat. Euh, donc, j'ai pris les, euh, les projections de victoire de BetMGM. MGM. Ça ressemble énormément à Caesar, je vais être honnête. J'ai regardé un peu. Il y a quelques équipes que ça varie de plus ou moins une victoire. Donc, à l'écran, on voit les quatre divisions de l'AFC, la conférence américaine. Donc, l'affiche à gauche, c'est l'affiche qu'on a eue la dernière saison. Et à droite, c'est le nombre de euh, victoires que les maisons de, 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 de gageurs, de gambling, euh, projettent comme victoire. Donc, à partir de maintenant, pour les gens qui ils aiment, mettre, ils aiment ça gager un petit 2, un petit vieux 2 dollars, donc, euh, si on prend l'exemple les bills, les bills, ben, euh, est-ce que ça va être plus que 10,5 euh, victoires ou moins de 10,5 victoires? OK? Et pour les gens qui ne savent pas, en vert. En vert, ce serait les équipes qui, euh, qui participeraient aux éliminatoires selon le nombre de victoires qui sont là. Donc techniquement, si on voit là, les Jets, les jets feraient les séries. The Ça, c'est seul, ma seule bémol, les amis. Mais on va regarder un peu. On va regarder un peu euh, chacune des équipes, le nombre de victoires. Donc, dans le chat, euh, dans le chat, vous pouvez dire. Vous êtes, vous pouvez, te dire si c'est plus ou moins chacune des équipes ou, ou selon vous. Mais euh, les Bills, les Bills sont à 10.5. Donc euh, BetMGM pense que les Bills devraient gagner encore la division Est. Euh, ils l'ont remporté. Donc ils projettent une victoire de plus que les Dolphins. Euh, les Jets à 9.5. Mais, mais je comprends le calcul. Puis je vais être honnête avec vous. Puis je l'ai dit tantôt, puis je le dis souvent, Las Vegas, les, les gens qui, qui, qui sortent les cotes, euh, des cotes comme ça, euh, sont bons, sont quasiment dans la coche. Là, parce que si on regarde les Jets, les Jets, ben ils, la projection est à 9,5 victoires, OK? Ça veut dire quoi? Regardez, l'année passée, sans Aaron Rodgers, avec euh, Zach Wilson, puis la ligne offensive qui a fait euh, pitié, là, ben il, de 7 à 9,5 victoires, on peut dire qu'Aaron Rodgers peut donner... On peut dire qu'Aaron Rodgers peut donner un 2-3 victoires de plus que l'année passée. L'affaire avec les Jets, c'est qu'ils n'arrêtent pas dans, de... Ils ont, ils ont été actifs sont allés chercher des gens encore plus vieux. Puis, c'est le point d'interrogation. Puis aussi, il ne faut pas non plus, faut faire attention. Là. Euh, on n'a pas les blessures, puis tout ça. Les Jets, je vous dirais, ils seraient capables d'atteindre, d'avoir plus que 9.5 victoires et faire les séries. Si toute cette équipe-là va être en santé, je suis entièrement d'accord avec ça. J'ai des doutes. mais À cause, je ne pense pas, ces joueurs-là, la plupart d'entre eux sont très... Euh, ben, premièrement sont vieux puis sont blessés puis on a hâte de voir comment Karen Rogers va répondre suite au tendon d'Achille mais euh, c'est un peu ça qui va arriver euh, 9.5 victoires pour les Dolphins est, qui est tout à fait réalisable euh, est-ce que ça va être plus c'est une équipe qui va, qui va faire des points puis comme j'ai mentionné tantôt ben, on, va, on va affronter l'AFC Sud euh, on va affronter euh, la NFC West. Ça reste un calendrier difficile, mais les Dolphins sont capables d'aller chercher les victoires pendant la saison régulière. Mais c'est ça. Donc, selon vous, qui, euh, qui euh, va gagner la division Est? -Tex? Ça va être les Bills, les Dolphins, les Jets ou les Patriots? Les Patriots, ils font partie des deux, trois équipes qui risquent d'avoir une saison difficile, donc qui prévoient... 5.5 victoires. Donc euh, ça va tout dépendre. Ça va être qui le corps arrière? En ce moment, c'est Jacoby Brissett. Euh, Est-ce qu'ils vont repêcher un corps arrière au repêchage? Mais cette équipe-là, vraiment là, les euh, euh, vraiment là, les, les Patriots, Bill Belichick, c'est malheureux. Il a laissé une équipe vraiment euh, <laughs> une équipe qui est vraiment pas talentueuse avec un nouveau coach en chef. Euh, ça risque d'être difficile cette année pour les Pats. Euh, Est-ce que ça va être plus 5 ou moins 5.5 victoires? Ils ont fait 4 victoires l'année passée. Qu'est-ce qu que ça dit? C'est que BetMGM dit que. Euh, BetMGM dit que il risque d'avoir la même saison que l'année passée avec peut-être une victoire de plus. Puis c'est ça. Euh, merci beaucoup, Haute Lapine. Comment ça va qui s'est abonné? Merci beaucoup. Wolverines pense que ses pats vont atteindre le 6 victoires. Donc euh, ça veut dire quoi? Donc si jamais à 5.5, ça veut dire que Wolverines risque de mettre un petit 2$ pour dire ça va être plus. Puis euh, je vais être honnête, je me souviens pas de la cote. Là, mais si, euh, si il réussit, ben, il va gagner l'argent qu'il a selon la cote. Plusieurs d'entre vous pensent euh, les Bills vont remporter la division. Euh, Fortinoza qui dit « Les Jets ont ajouté, ont ajouté plusieurs joueurs. Avec Rogers ça reste dur à évaluer. » Oui, oui, oui. Ils ont été actifs. Là. Je dois dire ça, les Jets, là, mon ami Pids, je ne sais pas, 67, qui nous écoute, le père à Burger Time, là, euh, lui, ben, lui même, même quand ils font dur, ils pensent qu'ils vont gagner le Super Bowl. Là. Mais... Euh... <laughs> Euh, comment dire ça, les Jets s'ils sont en santé ils vont mettre des ils, vont, ils devraient mettre des victoires là, au tableau là. Tu sais, fait que, en tout cas ça va être très intéressant, c'est toute une question de santé pour, ben, pour toutes les équipes les Bills encore une fois, moi je trouve que le, je trouve que le, la fenêtre est fermée euh, ils, ont eu, ils se sont placés, mais la façon qu'ils ont perdu contre les, les Chiefs à la maison, les Bills, euh, le coach. T'sais, t'sais, on parle toujours de la relation entre Andy Reid Patrick Mahomes. Ben Sean McDermott avec John Shannon, ça, ça clique pas, selon moi. Euh, Puis, je sais qu'on va le vivre cette saison. À moins qu'il se replace. Euh, Stéphane Diggs qui n'arrête qui, qui, qui pas de broyer. Est-ce euh, qu'il va être dans l'équipe ou pas? Est-ce que ça nuit? En tout cas, ça va être une drôle de décision. Parce que si tout le monde est en santé, écoutez... Peut-être les Jets peuvent finir premiers. Ça me tente pas. Ça ne me tente pas parce que Tony va dire What the si jamais les Jets finissent premiers. Là. Puis je vais en entendre parler. En tout cas. Mais les Dolphins, oui, j'ai des doutes. J'ai des doutes. Ça va être une bonne équipe de saison régulière. Tua va jouer à son année de contrat. Beaucoup de rumeurs. C'est ainsi, tu sais. Euh, je, je, je... Mais les projections de victoire, ça a bien de l'allure. C'est le genre de log que je vois encore, là, si on a à prédire encore. Donc, euh, plusieurs d'entre vous, c'est les Bills. Wolverines pense que c'est les Dolphins. Euh, quarterback parle déjà de l'AFC Nord, les Browns devant les Steelers. Les Steelers sont bas, selon euh, Sexy Jimmy, mais lui, c'est un anti-Steelers, il est content. Moins de défaite pour les Ravens, surtout avec l'ajout de Henry Kango Smash. Ah oh, ouais? Ok. Ça, ça va être très intéressant. Les Bills ont perdu plusieurs joueurs en défensive. La fenêtre se referme tranquillement. En tout cas, moi, Fortinoza, depuis l'année passée, je trouve que la fenêtre est fermée. Dans la FC Nord, ben, on pense que les Ravens risquent d'avoir le plus, plus grand nombre de victoires à 11.5. Les Bengals, la raison pour laquelle les Bengals sont là, on le dit. On l'a dit, Joe Burrow en santé. C'est pour ça qu'on parle de prédiction déjà là, là. Parce que là, tout le monde, tout le monde est à 0-0. Tout le monde est en forme. Tout le monde est bon. Euh, donc, une équipe en santé, oui, Joe Burrow est là. Puis, je, je l'ai dit même dernièrement. Puis, quand Joe Burrow est en santé, cette équipe-là est en feu. Pas à peu près. Ça va être une autre gro une grosse division qui va être forte. Les Browns, 8.5. Euh, Deshaun Watson, on sait que c'est Joe Flacco qui a réussi à amener les Browns dans les séries. Est-ce que Deshaun Watson, finalement, va, 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 va faire quelque chose à Cleveland? En tout cas, c'est une année charnière pour lui, pas à peu près. Les Steelers, pourquoi sont en bas à 7.5? Ben, il faut être honnête. Oui, ils sont allés chercher Russell Wilson. Oui, ils sont allés euh, chercher euh, Justin Fields. Mais c'est deux corps arrière qui n'ont pas eu. Ils n'ont pas beaucoup gagné depuis les dernières années. Donc, c'est très difficile à dire. Euh, c'est très difficile à dire s'ils vont atteindre ça. C'est sûr qu'ils ont atteint 10 victoires. Et là, que ça dit, c'est qu'on donne 3 victoires de moins avec l'arrivée de euh, Justin Fields et Russell Wilson. Oui, tout à fait. Je, en, euh, je vais être honnête avec vous. Ça, c'est les genres de gageux que j'aime faire. J'irai mettre un 10$ pour les Steelers à plus 7.5. Parce que je pense que cette compétition-là entre Russell Wilson et Justin Fields euh, devrait quand même faire un statu quo. Imaginez si les Steelers, avec Russell Wilson et Justin Fields, atteignent seulement 7 victoires au lieu de 10 l'année passée. On va... On va, on va, on va s'ennuyer de, de Kenny Pickett. Ça n'a pas d'allure. Donc... Euh, donc, ça, ça, ça va être une division... Ça va être une des divisions ou la division la plus compétitive dans l'américaine, là, euh, avec euh, les Steelers, tout ça. Oui, euh, Fortinoza de Sean Watson va revenir, mais est-ce qu'il va être... Euh, tu sais, on a des doutes sur Watson aussi. Moi, qu'est-ce que j'aime de BetMGM, MGM, on a des pensées comme Tony, hein? Yeah, baby! <laughs> J'ai pas le nom reconnu, la crédibilité de BetMGM MGM puis tous les spécialistes. Mais je comprends. Je comprends que Watson, on a des doutes pour Watson de répéter le même nombre de victoires qu'à l'année passée. C'est tout simple que ça. On a des doutes. On a des doutes sur Russell Wilson et Justin Fields par rapport aux Steelers. Mais euh, tu vois, euh, les Browns, je mettrais un vieux 2 en bas. Moi, je pense que les Browns euh, risquent de connaître euh, euh, risquent de connaître une mauvaise... Euh, une mauvaise saison, puis une grande décision va se prendre dans cette organisation-là par rapport au contrat de Sean Watson. Stefanski est un coach excellent, mais à un moment donné, il faut qu'il y ait une stabilité puis tout ça. Puis, les amis, je me souviens plus c'est qui, le corps arrière, qui va backer Sean Watson. En tout cas, dites-moi-les, j'ai un blanc de mémoire, mais c'est ça qu'on s'attend. On s'en va au troisième quart, les amis. Ça va bien. On a vu les Bengals numéro 1. Euh, sans que je vous le dise les amis. Euh, sans sans que je vous le dise les amis. Euh, Dites-nous qui va gagner les divisions. Là, à chaque fois que je... ça se place, c'est quand même drôle. Hein? Euh, dans la FC Sud, ben, on a eu une saison euh, remarquable des Texans. Qui s'attendait? Les Texans gagnent la division l'année passée. Euh, en avant des Jaguars, en avant des Colts. Écoute, Beth pense encore que c'est une, une division qui risque d'être euh, euh, faible. Euh, Beth pense que ça va continuer. C'est une organisation très bien dirigée par Demiko Ryan, tout ça. Donc, 9.5, ils ont fait 10 victoires. Ils s'attendent à une même genre de, de saison. Sauf, comme on a dit, ils vont affronter la NFC Nord. Donc, ça risque d'être difficile contre la NFC Nord. Euh, et la NFC Sud va affronter euh, la NFC Est. Donc, est-ce qu'ils vont être capables d'atteindre le même nombre de victoires? Mais les Texans devaient sortir. Il ne faut pas... Oui, les Jaguars ont connu, ont connu une fin de saison désastreuse l'année passée. Il faut qu'ils se replacent. Trevor Lawrence il va falloir qu'il se déniaise. Dans le sens qu'il faut qu'il démontre que ça fait des années, on dit c'est le corps arrière, euh, euh, le corps arrière générationnel, mais on n'a rien vu de lui encore. Les Colts, ben là, c'est le retour d'Anthony Richardson. Donc, comme vous voyez, regardez l'affiche que les équipes de la FC Sud ont eue l'année passée avec le, la projection de victoire. Ben, il risque d'avoir une, une, une même, une même fiche. Tantôt, j'ai vu Poutine qui prend pas, qui dit que les titans devraient finir premier. Euh, les titans, oui, ils ont été actifs, mais encore là, on donne le ballon à Will Levice. Ça me fait penser un peu les Falcons dans le sens que on va faire confiance à Desmond Ritter l'année passée. Ben là, on va faire confiance à Will Levice. On donne le ballon à ce là C'est lui qui va diriger. Est-ce qu'ils ont perdu Derrick Henry? Euh, mais, euh, écoutez. Ça, c'est une division que je gagerai pas. <laughs> ça, c'est tout simple que ça. Ouais. Ouais. Les Texans, euh, il ouais, y a Joe, Joe Mixon qui est arrivé. Euh, donc, il y a eu beaucoup, beaucoup d'ajouts euh, à ce niveau-là. Donc, les, les Texans, ils continuent. Même avec un corps arrière, un jeune corps arrière qui ne coûte pas cher, ils ont été très actifs au marché des joueurs autonomes. Let's go for it. C'est. Selon moi, c'est le même mode que je pense moi aussi. Peut-être entre euh, les Titans, les Colts, on va voir. J'ai des doutes sur Anthony Richardson. J'espère qu'il va connaître une saison en santé pour vraiment être capable de bien l'évaluer. Donc, écoutez, euh, moi je vois les Texans l'emporter là, parce qu'à le les Titans ont besoin d'un autre QB. Congo smash, beaucoup de bonnes prises en défensive pour Houston, Al Ford, or Houston number 1. Yes sir. Comment ça va? Bon lundi soir mon chum, Claude, Matt Doug, grand fan de Tom Brady. <laughs> Pas d'autres commentaires. Merci d'être là mon Claude. Merci Pascal, c'est James Winston le cas reçu. Donc, on continue. La NFC West, est-ce que les Chiefs vont être capables d'aller gagner un troisième titre consécutif? Donc, euh, euh, Chris Jones est de retour. Euh, ils ont perdu quand même Sneed, euh, ils sont allés chercher euh, Hollywood Brown. Donc, comme vous voyez, euh, ils s'attendent à une autre une saison pareille. Euh, à peu près 11 victoires. Les Chargers sont deuxièmes. donc l'arrivée de Jim Arba, selon euh, BetMGM, on passerait de 5 victoires à 8 victoires. Faut faire attention, parce que les Chargers ont perdu beaucoup de joueurs euh, à cause que ça leur coûtait trop cher. Euh, ils ont perdu Eckler, ils ont perdu Keenan euh, Allen, ils ont perdu Mike Williams. Euh... Euh, J'ai hâte de voir. Est-ce que vraiment Jim Harbaugh va, 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 va faire un miracle tout de suite la, sa, sa première saison avec tous ces mouvements-là? J'ai bien hâte de voir ça. Euh, mais si on regarde les autres équipes en bas, Raiders, euh, euh, les Raiders avec Garner Minshew, euh, les Broncos, que, on ne sait pas c'est qui le quart arrière encore. Donc euh, oui, ça se peut que les Chargers euh, réussissent à aller chercher au moins 8 victoires parce qu'ils vont être peut-être capables de gagner contre les Raiders, contre les Broncos. Puis comme j'ai mentionné tantôt, la FC Ouest va affronter euh, la NFC Sud, qui est une autre division plus ou moins faible, et la euh, et, euh, vont affronter la FC Nord qui risque d'être difficile. Donc, les Chargers, quand même intéressant. Euh, oui, l'arrivée de Jim Arba, c'est drôle, tantôt on donnait 2-3 victoires de plus pour les Jets avec Aaron Rodgers. Mais oui, Jim Arba est, va être capable de donner 2-3 victoires de plus aux Chargers en raison de peut-être les Raiders et les Broncos qui, selon moi, puis selon aussi BetMGM, MGM, n'ont pas réussi à démontrer qu'ils vont être capables d'aller chercher plus de victoires que ça. Vous voyez les Raiders. C'est quand même intéressant, les Raiders, on a décidé de garder Antonio Pierce. Puis BetMGM MGM pense qu'ils vont connaître deux victoires de moins que la saison passée. Donc c'est. On ne s'améliore pas là. Ça va pas bien dans ce temps-là. Hein? Les Broncos, on se demande, Yann, euh, oui, il y a eu des ajouts, mais ça va être qui le corps arrière. Euh, ça risque de brasser au repêchage. Mais BetMGM pense que ça va être une autre équipe qui va avoir de la difficulté. Puis de plus en plus, on critique euh, on critique notre ami Sean Payton. Que finalement, Sean Payton, il est peut-être pas si bon que ça. <laughs> euh, donc, euh, on a hâte de voir comment que cette équipe-là va réagir. Mais c'est un dur coup. Mais à 5.5, les Broncos, ça, ça va tout dépendre, ça va être qui le corps derrière. En ce moment, je le mettrai pas, mais. Est-ce qu'ils vont faire plus que 5.5? Donc, comme vous voyez, dans l'américaine, les deux, trois équipes qui risquent d'avoir de la difficulté, ben, on parle des, pa des Patriots, des Broncos et des Titans. Donc, euh, on souhaite bonne nuit euh, à notre ami euh, L'abri-tempo, il ne fait le pas. Hein? Il file pas, notre ami Labri. Donc, mais il s'est forcé pour être là pour le dévoilement de ses emotes. Mais bonne nuit, mon cher Labri. Prends soin de toi. <laughs> Prends soin de toi, mon ami. Merci d'avoir fait un tour. C'est quand même, c'est quand même très gentil. <laughs> euh... Euh, donc, les Pats, les Broncos, les Titans, ça risque d'être les deux trois équipes les, les plus faibles. Mais comme vous le savez, tout est possible. Hein, dans la NFL, on a hâte d'avoir ça. Ah, on a beaucoup d'amour pour Team Labri. C'est-tu cute? <laughs> C'est-tu cute? Yeah, baby! <laughs> Sexy Jimmy qui dit Kansas City vont être 6-0 dans leur division au p 5 1 Tout à fait d'accord avec toi. Tout à fait. Quand tu dis que Déjà la moitié de tes victoires à l'intérieur de ta division, c'est bon signe. Kansas City se dirige pour gagner aussi le, le numéro 1 de la conférence. Donc, ils risquent d'avoir peut-être même pour leur troisième championnat, ils risquent d'avoir même un, une journée de congé en plus. Ça serait quand même incroyable. On s'en va dans la division nationale. Dans la plupart d'entre vous, les Fortinoza, fans des Falcons, Virginie, fans des 49ers, Poutine avec Cowboys, nos fans des Packers. Qu'est-ce qui se passe dans la nationale selon BetMGM? Ben On pense que les Cowboys et les Eagles vont se, euh, se battre pour le titre de division. J'ai des doutes pour les Eagles, les amis, quand tu dis qu'en partant, euh, le coach Siriani risque d'être... Euh, il est déjà euh, sur un siège éjectable, il risque d'être le premier à être congédié. L'arrivée de Kellen Moore, tu as un nouveau coordonnateur offensif, tu as un nouveau coordonnateur défensif. En dans deux ans, en dans deux ans, on a changé les deux coordonnateurs, autant à l'attaque qu'à la défensive. C'est beaucoup de changements, c'est beaucoup de, de changements de système. J'ai ben de la misère. J'ai l'impression que les, les Eagles ils ont perdu aussi Jason Kelsey qui est parti à la retraite. Ok. En passant, Jason Kelsey fait partie du succès du fameux euh, touche push là. Tu celui qui va prendre sa place là, pour faire le fameux touch-push, ça veut dire peut-être que ça ne marchera pas. Là. Okay? Jason Kelsey, là, quand on parle des d'héros obscurs, ça n'est un pas à peu près. J'ai l'impression que les Eagles risquent de. Moi je pense que ça risque de, de planter comme, euh, euh, comme mon ami Pascal dit. Euh, je suis pas sûr. Les Cowboys, c'est les Cowboys, ils gagnent toujours en saison régulière. Euh, mais je, je suis Washington à 6.5 c'est bas selon moi je dis pas qu'ils vont gagner la division mais euh, comparé aux Giants moi les Giants c'est une autre équipe euh, dysfonctionnelle c'est ainsi là ça a pas l'air à bien aller surtout quand tu as perdu Barkley puis euh, ton futur est avec Daniel Jones là. come on man en tout cas, euh, moi j'irais Giants en bas de 6.5, Washington en haut de 6.5, les Eagles en bas de 10. Euh, oui, Dallas risque de répéter euh, risque de répéter euh, la division. Euh, mais encore là, beaucoup. Ça brosse beaucoup aussi à Dallas là, en ce moment. Avec le contrat de Dak Prescott. Il semblerait que là, euh, on va dire à Dak joue ton contrat. Est-ce qu'il va être. Euh, est-ce qu'il va, euh, le... est qu va être un dieu, puis tout ça, mais il va être un dieu à saison régulière, mais en playoff. Euh, il n'est pas bon, Dak. <rires> <rires> épopée, épopée. Pascal, les Cowboys seraient capables de perdre la première semaine des playoffs, même s'ils sont basses. <laughs> oh, c'est ch... chiant, ça. C'est chiant. Parlant de chien, j'ai je, je, je sorti de quoi, là? Ça c'est chien, c'est chien, c'est plus que chien. <laughs> hein? Hein? C'est rendu les boys sont, sont dans le, le blitz NFL. Ça c'est chien, c'est chien, c'est plus que chien. Ouais, c'est ça. Dans la division Nord, oh, j'ai hâte de voir... Euh, j'ai hâte de voir l'NFC Nord, ça va être tellement excitant à voir. On a hâte d'avoir Jordan Love avec les Packers, l'équipe la plus jeune, le, le, la plus jeune dans la ligue quasiment. On a hâte d'avoir comment ils vont transposer la saison qu'ils ont eue l'année passée à cette saison. On a hâte d'avoir est-ce euh, que Caleb Williams va être le, 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 le miraculeux à Chicago avec tout ce qui a été fait, euh, tous les joueurs qu'on a amenés. À Chicago. Est-ce que Caleb Williams va amener les Bears au sommet? Les Lions. Les Lions, ils n'ont quasiment pas changé du tout. Les, les coachs Ben Johnson, les coordonnateurs sont de retour. Donc, on s'attend. On s'attend que euh, on s'attend que les Lions répètent encore. On s'attend que les Packers vont connaître une bonne saison, même au point de faire des séries. 8.5, donc c'est quand même impressionnant de voir qu'à 7 victoires, les Bears l'année passée, on passe à 8. Caleb Williams va augmenter d'un. que moi je trouve c'est correct. Oui, euh, si Caleb Williams va chercher 8 victoires, c'est quand même correct. Parce que ben, moi j'ai des doutes sur Caleb, non seulement sur son attitude, mais le gars, techniquement aussi, a du, du travail à faire. Puis je crois pas à Matt Eberflus, son coach, qui est défensif en plus. Donc, il y a ça. Euh, les Vikings, les Vikings, ben vous voyez, 7-10, ça risque d'être. On ne sait pas c'est qui. En ce moment, c'est Sam Darnold le corps partant. Mais ils ont quand même été actifs dans le sens que, ouf, on a perdu Kirk Cousins, ils sont allés chercher Aaron Jones. Ils ont perdu Daniel Hunter. Mais c'est quand même, ils ont été actifs, puis ils sont allés chercher un autre choix au repêchage en première ronde. Ils risquent d'aller chercher un corps arrière au repêchage. Donc, on voit, on s'attend à ça, à cette victoire. Est-ce que ça va être un genre de saison comme CJ Stroud, puis les Texans, puis les Vikings vont monter? Mais je pense que la division, ça va être entre les Lions puis les, les Packers. Donc, j'ai très hâte de voir cette division aller. Puis en plus, euh, elle va affronter la NFC Ouest et, euh, et la FC Sud. Donc, euh, ça va être quand même intéressant de voir ça. 7 et 10 serait plus réaliste pour les Bears. Ouais, bah ben ouais, comme l'année passée. Peut-être une victoire de plus, peut-être. Mais c'en c'est un autre coach pour moi. Matter Burfliss, c'est un autre coach pour moi qui va euh, euh, qui, qui va être sur un siège injectable. Là. Je vais vous présenter ça. Là. <laughs> je pense que je vais vous le présenter avant que je parte en vacances, mon fameux thermomètre qui risque de partir euh, euh, au début. Congo Smash qui dit. Euh, ils ont été impressionnants les Packers en série. Je suis étonné qu'ils soient seulement 9 et 8 l'année passée. Ah oh, ben ils se sont réveillés plus tard, là. ils ont bien joué à la fin. Là. Ça a été dur au début. Mais, euh, mais là, c'est un autre 9 victoires. C'est pas, pas évident. Pour une équipe jeune de même, c'est 9 victoires selon ces calculs-là. C'est juste assez. 9-10 victoires, c'est assez pour faire les playoffs. Là. Parce que justement, on regarde la prochaine division. Ben, la division, là, Beth MGM va avec Kirk Cousins. Vous voyez, là, euh, vous voyez un bord car arrière est capable de, d'amener un 2-3 victoires de plus, là, pour faire la différence. Donc, Kirk Cousins, les Falcons ont fini la saison avec 7 victoires, 10 défaites. Donc, il faut s'attendre, les Vikings atteignent le 10 victoires. Il faut s'attendre à quasiment un 5-1. 5-1 euh, dans la division. Euh, donc, euh, donc, déjà 5 victoires là. Puis, ils vont aller chercher quelques autres victoires un peu partout ailleurs. Comme j'ai mentionné tantôt, ils vont affronter euh, la NFC Sud va affronter ben, la division des Chiefs. Ça, ça risque d'être difficile. Mais encore là, ils peuvent aller chercher des victoires contre les Raiders et les Broncos. Et, euh, et peut-être aller chercher une victoire avec les Giants, vu qu'ils affrontent la NFC. Est. Donc, euh, mais vous savez, Kirk Cousins, là, il, 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 reste, il reste dans un don, chez eux. Tu sais, il va jouer 9 euh, neuf, neuf matchs, 8 à 9 matchs chez eux. Donc, c'est quasiment 8 ou 9 victoires qu'il va aller chercher, là. Il, en tout cas. Euh, c'est ça. On s'en va au quatrième quart, les amis. Ça va bien? Continuez à faire vos prédictions, j'aime ça. Je pense qu'il mise à jour d'un système. Ils que tous mes tableaux. Ils ne mettent pas en bon ordre. Euh, Pascal Méta, Cousins va aider, mais pas tant que ça. Il va avoir à prendre leur système. Non, au contraire. Le coordonnateur offensif fait partie de la famille des coachs du système qu'il avait avec Kevin O'Connell. C'est ça l'affaire. Euh, Kirk Cousins, là, on l'a dit, c'est le meilleur négociateur. Il a quand même une tête de ses épaules. Là. Tout est calculé. Là. Il ne s'en va pas changer. Il s'en va pas changer d'air à Atlanta. Il s'en va jouer dans un dôme que pendant des années il a joué dans un dôme. En plus, il s'en va jouer. Euh, tu sais, c'est. Quand il était avec Minnesota, Détroit aussi avait un dôme. Dans le sud, les Saints aussi ont un dôme. Donc, en termes d'environnement, de terrain, il change pas. Le système, son coordonnateur offensif, il connaît très, très bien. Donc, non, c'est pas. Il s'en va pas dans un terrain inconnu. C'est vraiment là, je, je, je crois énormément. Euh, J'y crois énormément. Puis je trouve que cette expérience-là de Cousins avec les jeunes joueurs, ça va être un bon melting pot parce que pour, si on vient à Tampa Bay, Tampa Bay, c'est quand même Baker Mayfield. Là, okay? Donc euh, oui, il revient. Euh, Mike Evans reste là. L'attaque va être bonne. C'est quand même bien dirigé. Euh, mais comme vous voyez là, 9.5 pour les Falcons, 7.5 pour les Box. On est à deux victoires. C'est vraiment, le, vraiment le, les deux victoires de plus que Cousins va être capable de mettre au tableau que Baker Mayfield risque de ne pas, de pas réussir. J'aime bien ça. Euh, Je suis d'accord avec ça pour l'instant. Euh, les Falcons devraient l'emporter, les Box deuxième. Puis vous voyez les Saints, 7.5. Moi aussi, j'ai là Derek Carr à sa deuxième saison, un nouveau coordonnateur offensif. En tout cas, ça va être tellement intéressant parce que moi aussi, je, je pense que les Saints et les Bucks vont se battre pour cette deuxième place à cette division-là. Ça ne sera peut-être pas assez de victoires pour faire les séries, Mais euh, puis les Panthers, encore une fois, là, en tout cas, 4.5, ils sont capables d'aller chercher deux victoires de plus c'est un, un nouveau départ à Carolina, les Panthers avec un nouveau coach. On va voir Bryce Young. J'espère pour lui sa deuxième saison va être meilleure que sa première. Mais comme vous voyez là, à travers l'écran, les Panthers euh, risquent d'être encore l'équipe la plus faible de cette conférence-là. Je mettrai avec les Giants. Euh, les cards les, les cards les cards ils se battent tout le temps j'aime bien euh, ils se battent ils se battent bien les cards le résultat est pas là fait que c'est pour ça je veux pas les mettre comme dans les équipes les plus faibles il a fait les dernier oui <laughs> mais c'est ça bon ben comment ça va fan des Steelers Team Labrie on a un emote tu le sais va voir dans tes emotes on a un emote Team Labrie malheureusement Labrie il est venu faire un tour nous a salué mais il est retourné se coucher euh, le virus l'a frappé, donc il, il ne file pas très très bien. Donc euh, prends soin de toi, mon labri. Parlant des Saints, les amis, on va parler un peu de politique, vite vite. Les Saints, là, pour les gens qui sont avec le Blitz NFL depuis, euh, depuis au, au début de Twitch, vous connaissez notre ami MC Daniel. Hein? MC Daniel faisait des shows de football avec moi dans l'émission de Jazzy, euh, Jazzy Y. Puis. Euh, puis, euh, MC Daniel, pour les gens qui regardent les nouvelles, ben, il se présente à la mairie de Gatineau, les amis. Notre MC Daniel est, a commencé sa campagne électorale pour devenir le maire, le prochain maire de Gatineau, parce que la mairesse l'a démissionné. Donc, euh, quand même, euh, on lui souhaite bon succès, mon ami euh, Daniel. Daniel Fini, donc, euh, puis... Euh, puis je vous dis de suite, là, si jamais il gagne la mairie, euh, j'aimerais ça de l'avoir dans l'émission. <laughs> ça serait la première fois que j'aurais un maire ou une mairesse <laughs> pour parler de football. Ça serait-tu hot, hein? <laughs> Yeah, baby! <laughs> hey, comment ça va, Torito 1507? Merci, bienvenue dans l'équipe Le Blitz NFL. Est-ce que viens nous dire bonjour? Est-ce que tu es un fan de la NFL? Quelle est ton équipe préférée? D'où tu viens? Ici, il y a bien du monde de Québec. On a des fans de l'Europe également. Donc, merci d'être là. Puis euh, vous êtes en train de. Ce soir, ben, on est là tous les lundis soirs à 19h. Ce soir, on parle des projections de victoires que les euh, que la maison Bet NGM, les maisons de Sportsbooks euh, à Vegas, ont déterminées cette semaine. Donc, euh, on commence de plus en plus à prédire le nombre de victoires. Et euh, Mais. Comme vous voyez dans l'écran, il est quand même trop tôt pour prédire. Mais l'orientation s'en va là. J'aime bien ça. On s'en va dans la NFC West, les amis. La NFC West, c'est qui inclut les finalistes du Super Bowl, les 49ers. On s'attend à une même genre de saison. Euh, euh, 11.5 victoires. Ils ont fini la saison dernière à 12 et 5. Les Rams, les Rams ont quand même connu une, euh, une saison surprenante. Puis je pense qu'ils vont continuer. Avec Sean McVeigh, Matthew Stafford, un duo de coach, coach-quarterback qui va bien, là. Euh, ça devait être l'équipe qui devrait terminer deuxième. Est-ce que ça va être assez pour faire les séries? On a hâte de voir ça. Mais, mais on aime bien les Rams, puis la façon qu'ils travaillent. Malheureusement, Aaron Donald a pris sa retraite. Donc, euh, mais on a quand même de beaux jeunes joueurs au niveau de l'attaque. Les Puka Nakua, les Karen, euh, Karen Williams au porteur de ballon. Donc, côté de l'attaque, ça va très bien. Dans la défensive, euh, on risque de travailler un peu plus fort. Les Seahawks, avec un nouveau coach, Pete Carroll, après tant d'années, on pense, on pense que ça risque d'être une saison pas aussi, ben, l'année passée, ça a été vraiment euh, en dentille. là. Geno Smith, là, vraiment, il Faut penser à autre chose que Gino Smith, là, dans cette organisation-là. Donc, euh, c'est tout à fait normal qu'on pense que 7.5 victoires est un peu la barre pour les Seahawks. 6.5 pour les Cards. Donc, euh, une amélioration de deux victoires pour les Cards qui est tout à fait normal. Kyler Murray, au poste de corps, va être là pendant toute la saison. Si s'il est en santé. Mais euh, en tout cas, le portrait que vous voyez là dans la nationale, ça, ça me va. Ça me va. Euh, Puis euh, pour le moment, on a hâte d'avoir le repêchage parce que on a hâte d'avoir, après le repêchage, on risque de, vraiment de cibler c'est qui le corps numéro un. Puis on va voir aussi, est-ce qu'il va y avoir d'autres échanges, tout ça, d'autres signatures. Euh, on, on, on va regarder ça. Comme j'ai mentionné, avant qu'on quitte pour... L'été, donc vers la fin mai, on va euh, après le calendrier, on va sortir euh, euh, d'autres prédictions, là, vraiment là. En ce moment, j's... les prédictions précises de moi, euh, puis on va voir de mes collègues aussi s'ils vont joindre à moi euh, au mois de mai, mais c'est sûr qu'au mois de septembre, on va les refaire avec euh, euh, notre évaluation du camp d'entraînement et les matchs pré-saison. La plupart d'entrevues, vous y allez avec les 49ers. Sexy Jimmy, j'ai confiance aux Falcons. Beaucoup d'armes explosives en attaque. Ouais. ouais. Moi, moi euh, je pense qu'on l'a dit, dit, hein, Sexy. Euh, on le dit, Sexy Jimmy, hein, euh, On pourrait mettre un petit, euh, un petit 2$, même un 10$ pour plus que 9.5 victoires. Là. Il serait capable d'atteindre le 10 victoires, là. Ça résume à quoi les amis, après toutes ces projections de victoire-là, ben voici les 14 équipes qui participeraient aux éliminatoires. Vous le savez, en moyenne, il y a 4-5 équipes qui, 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 qui étaient là l'année passée, qui ne sont plus là l'année d'après. Okay? On regarde, vous voyez à l'écran, en bas des logos, vous voyez les 7 équipes qui ont fait les séries. C'était les Ravens, les Bills, les Chiefs, les Texans, les Browns. Les Dolphins et les Steelers. Donc, si on regarde un peu les top 7 selon Bet and ben, euh, c'est les Steelers qui ne feraient pas les séries et ce serait les Jets qui seraient là. Mais tout le reste, il ben, y a les, les Bengals qui prendraient la place des Browns. Donc euh, un Joe Burrow en santé, un euh, Aaron Rodgers en santé avec les Jets et toute l'équipe. C'est tout à fait logique. Que ces deux équipes-là participent aux éliminatoires. Donc, ça, on aurait déjà deux équipes, deux nouvelles équipes qui feraient les séries selon l'année passée dans l'AFC. Les Chiefs seraient le numéro 1, les Ravens 2, Bills 3, <coughs> Texans 4, Bengals 5, Dolphins 6, les Jets 7. Je vous dis tout de suite, j'ai des doutes sur mes Dolphins. Là. Je, je, je suis pas dedans. J'ai file pas. J'ai file pas. Hello? You play to win the game. On verra bien, on verra bien, on verra bien. Dans la Nationale, la Nationale l'année passée, c'était les Niners, les Cowboys, les Lions, les Bucks, les Eagles, les Rams et les Packers. Mais il n'y a pas grand changement là. Il y a les Falcons qui prennent la place des Bucks. Mais à part de ça, moi je pense que les Eagles, on l'a dit tantôt, les Eagles, ish, Iff ils risquent de ne pas faire les séries, mais je vois beaucoup les Rams là, les Packers, oui, faire les séries. Euh, les Lions, euh, qui finiraient premiers de leur division. Donc, on verrait les Niners encore être le numéro 1 dans la nationale. Les Cowboys, numéro 2. Les Lions, numéro 3. Les Falcons, 4. Donc, les quatre premiers, c'est les champions de division. Puis après ça, c'est les meilleurs fiches, 5, 6 et 7. Donc, <coughs> de qu'est-ce qu'on voit, excusez-moi là. Moi aussi, la tou la, ma toux est encore restée, selon ma, ma petite grippe d'homme de la deux semaines. Quand même fatigant. Hein? Euh, donc, on voit seulement un changement là. Donc, selon BetNGM, gm quand on dit qu'on est trop tôt, euh, on aurait trois nouvelles équipes. C'est sûr, la NFL, là, on, on risque de. Tu sais, je veux dire. Tu sais, je regarde vite, vite dans l'américaine. Bills, Bills, Dolphins. Tu sais, j'ai des doutes sur mes Dolphins. J'ai des doutes sur les Bills. Ça risque de changer là. Qui pourrait prendre la place de ça? Ça pourrait être une troisième équipe dans la l'AFC Nord. Est-ce une équipe comme les Chargers vont réussir à faire les séries avec Jim Harbaugh? Donc, quoi ouais, ça. Dans la nationale, c'est ça. Les Eagles, je les vois peut-être plus là. Est-ce que les Cowboys vont vont s'écrouler aussi, mais il y a quand même une équipe, il faut qu'ils fassent les... Est-ce que Washington vont se faufiler là? Washington, là faut pas les négliger. Là. Ils vont connaître une bonne saison. Est-ce que le résultat va suivre avec les victoires? Il va... faut faire attention. Donc, on risque de peut-être pas voir les Eagles puis peut-être les Commanders là. Je ne crois pas une deuxième équipe dans la, F... dans la NFC Sud, là, comme les Bucks ou les Saints. Euh, les SIAX, je ne les vois pas. Donc, tu sais, ça va être quand même intéressant. Donc, c'est le portrait au 1er avril pour l'année prochaine. Comme c'est comme écrit en haut, c'est trop tôt pour prédire. Euh, euh, donc, c'est un peu le portrait qu'on voit au 1er avril. Comme je vous dis, ça va être intéressant. Ça va être toujours le fun de remontrer ça pendant la saison. Quand on va voir la course au séries, tu sais. Quel genre de surprise qu'on va voir. Est-ce que les Pats vont gagner la division Est dans l'Américaine? Yeah, <rire> baby! <rire> <rire> What the? Non, non. T'sais. Mais des surprises comme à la Texans, on risque de le voir. Ça aussi. Les Texans, est-ce qu'ils vont. Pouvoir répéter, malgré que la saison qui là, qui ont eu là. Les Jaguars, est-ce qu'ils vont se réveiller euh, Les Colts avec Anthony Richardson. Ben, ben, hâte d'avoir ça. Il y a bien du monde qui disent que les Colts vont faire les, les playoffs, en tout cas. Euh, Pascal, ce que j'ai trouvé en ligne, c'est que Packers, Dolphins, ça va être à Green Bay. Ouf, ça, ça. Je Ouais. Il risque de faire frite, là. Puis il risque de ne pas avoir de billets, là. Mais ça, c'est un bucket list, là. Voir un match au Lambeau Field, j'aimerais bien, bien, bien ça. Donc, qu est -ce que ça a l'air. Est-ce que vous croyez que est-ce que les maisons de, de Paris, euh, les, les sportsbooks de ce monde, euh, moi, j'ai trouvé sa coche. Là. Ils, ils, ils connaissent leur affaire. Pour le moment, ce sont des bonnes projections de victoire. Euh, En tout cas, sont, sont, sont là. Euh, c'est un peu le portrait que je vois moi-même. La, la seule affaire que comme là, là qu'est-ce qu Les Jets. J'ai des doutes sur les Jets aussi. Fait que, les Eagles. En ce moment, c'est ça. Mais en majorité, le là, 80% là, ils sont sont la coche, comme on dit. Quel timing, les amis. Quel timing! La fin du quatrième quart. Écoutez, on n'a pas parlé là. Euh, il y a eu une, une nouvelle euh, aujourd'hui. Euh, je vais sortir des affaires. Il y a eu une nouvelle aujourd'hui. Euh, pour les gens qui connaissent le football, il y a eu un décès de Vante Davis. Euh, il est décédé à 35 ans. L'ancien demi de coin des, euh, des Colts. Euh, il a été repêché par mes euh, Dolphins. Il a joué trois ans. Euh, il a été repêché en 2009. En tout cas, on l'a retrouvé mort euh, chez la maison de sa grand-mère. On pense pas que c'est un acte criminel. Mais malheureusement. Euh, très jeune âge. À 35 ans. Donc, euh, c'est le frère de Vernon Davis, le tyran des Niners qu'on a vu dans le passé. Donc euh, on attend plus de détails voir qu ce qui s'est passé. Mais une mauvaise nouvelle pour... Euh, L'organisation des Colts, donc euh, euh, toutes nos sympathies à la famille et aux proches de Vante Davis, décédé à l'âge de 35 ans euh, aujourd'hui. Il a participé à deux, deux Pro Bowl. Euh, C'est lui qui, à la demi d'un match, il a, été, il a signé en 2018 avec les Bills. Puis pendant un match en septembre, il a pris sa retraite à la mi-temps. Il a joué deux quarts. Puis là, il s'est dit non, j'ai ma... plus ma place. Puis il a pris sa retraite au milieu d'un match. Donc, il était avec, dans l'uniforme des Bills pendant ce temps-là en septembre 2018. Donc, il a, il a il a joué 122 matchs, 121, 22 interceptions, 395 plaqués. Donc, euh, mauvaise nouvelle, une triste nouvelle dans le monde du football. Autre nouvelle aussi, euh, Rushi Rice, le, le receveur des, des, des Chiefs a de la misère avec les autorités policières. Donc euh, on, il, on, la police le recherchait, mais là, ça a l'air que il, là, il coopère avec la police qui serait impliquée dans un carambolage. Et je pense qu'il y a eu des décès là-dessus. Ça a été à Dallas. Euh, il y a des rumeurs qu'une réunion, Zeke Elliott pourrait se retrouver, retourner avec les Cowboys. On sait que les Cowboys sont à la recherche d'un porteur de ballon aussi. Et les Eagles enverraient Asen Reddick aux Jets. Donc, comme je vous dis, les Jets très actifs. Je trouve que c'est des joueurs un peu plus trop vieux, un peu plus âgés, mais on voit qu'ils sont all-in. Ils vont avec l'expérience. Et Greg Joseph, l'autre euh, nouvelle, le batteur. L'ancien batteur des, euh, des Vikings, ben, il a signé un contrat avec les Packers. Donc, euh, il reste dans la division puis il passe dans le camp ennemi. Très intéressant. Donc, euh, Greg Joseph, le batteur, s'en va chez les Packers. Les amis, on finit là-dessus. On s'est dit que ça serait relax. Ça a été relax. Merci Congo Smash. Merci toute la gang. Euh... J'ai mon ami DJ Pete. OK, il est en feu. Donc, on va aller le raider, les amis. Allez dire que vous venez de la Blitz NFL. Il nous encourage. Il nous, il nous encourage tout le temps. Il nous soutient. Il connaît plus ou moins au football, mais il nous encourage. Moi, je l'aime beaucoup. C'est le. C'est le, le DJ. C'était l'ancien DJ à Céline Dion. Pendant ses tournées, Jean-Marc Parent, Mac Dupuis, puis là, il, il est prêt à dire c'est le DJ à Tony Leblitz. Donc, restez avec nous. Un raid, c'est toujours, euh, ça nous soutient. C'est important pour nous. Donc, un gros merci. Euh, merci à Yann qui a renouvelé son abonnement. Merci au Duke Wellington, fan des box, qui a renouvelé également son abonnement. Euh, J'ai vu aussi qui d'autre aussi. Euh, ça ne sera pas long. Euh, l'arrivée de Torito 1507, un nouveau follower. Euh, Sexy Jimmy aussi s'est réabonné, c'est ça. J'ai vu de quoi là En tout cas, j'ai vu des, des alertes. Vous avez été très actifs avec l'emote, Donc, restez avec moi. Donnez-moi deux secondes. On s'en va raider. Euh, DJ Pete. Donc, merci beaucoup. N'oubliez pas la semaine prochaine. La semaine prochaine, on s'en va voir. Euh, ben, on s'en va voir. Venez avec moi à 19h sur ma chaîne. On va recevoir Vince Cochon de Québec, d'Énergie 98.9 et de RDS. Donc, euh... Là, tu voyais même, je ne l'ai même pas ici. <laughs> euh, donc, à ne pas manquer, c'est la première fois que j'accueille euh, Vince Cochon. En passant, Yann09, il y a du monde. Euh...